ces générations baisées au nom des flux économiques. On voyait crever par milliers dans la boue de tranchées merdiques. À tous ces vaillants jeunes gens qui pour une poignée de vieux cons sont allés clamser à 20 ans, à Verdun ou à Tourmont. À ces existences bousillées, à toutes ces familles détruites pour sauvegarder les intérêts de la machine capitaliste. À la mémoire aussi de ceux qui tombèrent au petit matin sous les mécanismes ingénieux du charmant docteur Guillotin, jeune fougueux idéaliste à l'exécution capitale, car leur soupir chroniste faisait trembler l'ordre moral, victime de la bourgeoisie et de la bonne conscience française, celle qui a acclamé Vichy en 45 tourner sa veste. Aux victimes des dictatures et à celle des démocraties, tout gouvernement est une ordure, tout gouvernement est pourri. À la mémoire de tous nos potes et à celle des inconnus qui n'ont connu aucun despote et qu'on a sommairement abattu. À la mémoire de tous ceux qui n'ont plus que nous pour le dire, car étendu même au fond que un jour aussi on doit les suivre. Ceux qui sont tombés sous les balles de la Gestapo, de la Cheka en Ukraine ou à Stalingrad, au Maldives ou à Tremblay-Ka. Ceux qui se sont effondrés sous les projets des miradors, la gueule dont les barbelés, une rafale pour passeport. Aucune page de l'histoire qui ne dégouline de sang. Dès qu'en un matin le pouvoir, ils ne peuvent dire que tyran. Toujours soit beau, soit faux cul, la ponte humaine est carnassière. Et toujours l'individu est victime de l'humanité entière. S'il a pas eu